Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 249 de Stage 1 et nous allons jouer à The Delation. The Delation. Toujours un jeu puzzle. On est vachement dans les jeux puzzle en ce moment. Et on va y jouer, ça va être parti. Ouais, vous voyez déjà mon curseur, c'est un carré blanc. Je me rappelle plus exactement ce que c'est le jeu, j'ai fait quelques niveaux, on va voir ça ensemble. C'est bon, je me rappelle de ce que c'est le jeu. Voilà. On se retrouve comme un... Ça fait plusieurs fois que je fais des jeux un peu similaires où vous avez un bonhomme, enfin un carré, quelque chose. Faut l'emmener au point B, comme un peu dans Ink, un peu comme dans... voilà, le jeu dont j'ai oublié le nom, voilà, vous vous en souvenez, je suis sûr. Et ça peut jouer au clavier, et pas du tout à la souris. Oh putain de ta mère. Et voilà. Et le but c'est vraiment d'arriver au point vert, mais de faire attention au décor qui bouge, et qui a un pattern de mouvement. Hop, est-ce que vous comprenez le principe? Ah, moi, je me rappelle très... Oh, putain de ta mère. Délire. Donc, on va attendre qu'il soit reparti. Voilà, c'est des niveaux que vous faites une fois et que vous êtes content d'avoir fait une fois. Parce que le but premier, c'est vraiment de pas toucher... les ennemis. Ni de mourir. Yop là. Hop là. Hop là. Youlou. Youlou. Et attention, le faux ami. Oh. Alors, là, on est drôle, on est comique parce qu'il y a un ennemi. Voilà. Qui fait exactement les gestes opposés à moi. Ça veut dire que il suffit que je passe au-dessus de lui. En le bloquant. Hop. Voilà, il fallait que je le décale. Voilà, il fallait juste que je le décale de ses mouvements par rapport à moi. Oh putain, il y a des... Ça bouge. Ça commence bien. Ça commence bien, faut pas toucher la barre évidemment, hein, elle est rouge. Donc rien de très compliqué les codes couleurs, les rouges, c'est pas vos amis. Voilà. Oh putain. Ça a été tendu comme un string. Alors non, là il fallait pas faire ce que je viens de faire. Non. Alors là. Donc on va l'emmener ici. Ici, comme ça, moi, je peux y aller tranquille. Hop là. Hop là, je sais pas du tout où il est. C'est pas mon ami, de toute façon. Ouh, gratte ton but. Ta sœur. Non, faut pas que je le touche. Alors, voilà, c'est des jeux comme ça. Vous voyez. Voyez-vous, c'est compliqué dans la vie. Oh ta sœur. J'aurais dû être patient. Allez mon petit. Allez. Saute par là. Tu vas voir, on est bien. Merde. Il fait exactement les mêmes mouvements que moi. J'aime bien le petit tracé bleu qu'on laisse derrière nous quand on avance. C'est joli. Ah. Qu'est-ce que je suis con. Allez, on va y arriver. Allez, on va y arriver. Je vais tous vous montrer que je suis pas un handicapé. C'est mal barré, hein. Allez, allez. Alors, la musique, au niveau musique, hein, parce qu'il faut en parler, il faut parler de tout.
essayer de pas faire de conneries. Voilà, je l'ai emmené trop loin. Ouh, allez, qu'est-ce que je suis en train de faire là aussi? Hop, yo. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. YOLO, non. Ouais, comment je fais? Oh non! Ah non! Ah non! Ah non! J'ai compris la logique. J'ai compris la logique. Allez, 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 faut vite. Yop! 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 Oh non! Ah, je lui ai touché le bout! Je lui ai touché le petit bout! Ça a suffi à me faire dégommer. Yop! 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 Oh putain! Oh là, ça commence bien. Alors quelque chose me dit que c'est pas mon ami ça. Effectivement, c'est pas mon ami. Allez, hop! Deleted. Hop, ta sœur. Ta sœur le carré, ça veut dire le... losange. Enculé. Yo. Yo. Oh, par contre, faut pas le rendre lui. Ouh, sympa, hein, c'est pas mon ami. Alors, je suis censé faire comment pour atteindre le truc vert? Ah, je suis censé prendre des accélérateurs. Ok. Et faut pas que j'en rate un seul, évidemment. Hein? Oh putain. Yo. 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 Ah. What the fuck? What the fuck? Non! Mais cassez-vous! Oh non! Bon, ça va, c'était pas compliqué. Ouh, toi, t'es pas gentil, toi. Ouh, toi, tu pues la merde. Par contre, il me dit peut-être quelque chose au début du niveau. Drag the orange block. Avec ma souris? Ah! Ah, c'est tout! Ok! Alors, dès que je le touche, il devient rouge, hein, ce fils de fils. Évidemment! Alors là, il faut être habile à la fois de ses mains, de la souris. Hein? Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Pourquoi? Oh putain de ta mère! Ok, les trucs, vas-y, je m'agrandis. Faut se souvenir de. De la position... Non! Ah, ta sœur! Ah, ta sœur! Oh. Ah, faut que je les mette là-bas.
Parce que je peux pas les choper tant que je suis pas allé, hein. Yo. Ah, il saute pas assez haut, hein, évidemment. J'ai pas fini de... Hein. Ah, si je fais le con de me toucher, je me bute moi-même, je vous jure. Oh putain, faut pas qu'il touche le rouge. Je sais pas. J'y suis arrivé. Oh putain, il est à côté de moi. Oh putain, il est à côté de moi. Moi je suis bleu, c'est ça? En fait, il faut que j'arrive à le faire emmener. Il saute aussi haut que moi, ce fils de fils. Il faut juste que je l'emmène. Voilà, je fais au moins ce niveau avant de finir le... Ah, je t'ai eu, je t'ai niqué. On est fait 18. 18 levels là. Et ben ça va. C'est sympa. Après, je sais pas combien il y en a. Tiens, on va voir. Next page. Il y en a 40. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup. Je sais plus. Non, il n'y avait pas d'écran. Il n'y avait pas d'autre écran. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce jeu? Bon, c'est carré. Voilà, je crois que j'ai résumé. C'est carré. C'est de la logique. Faut l'emmener d'un point à un point. Un point A, un point B, il y en a qu'un. On a des ennemis, on a des choses à déplacer, donc c'est un peu casse-souris. Du coup, c'est un peu plus... c'est une expérience toujours différente. Chaque fois que je joue à un jeu dans ce style-là, c'est toujours différent. Et c'est ça qui est cool, je trouve que les gens, ils arrivent toujours à faire des jeux qui sont jamais les mêmes, quoi. Il y a toujours un truc en plus, deux trucs en plus, des choses, des concepts qui n'ont rien à voir. Et donc c'est sympa, ça change, voilà, de par rapport à Thomas Was Alone, par rapport au jeu dont j'ai oublié le nom, hein, voilà. Par rapport à Ink, par rapport à... Ah putain, comment il s'appelle l'autre là? Avec des carrés. On a joué. Moi j'ai oublié. Et ben, je vous dis qu'on arrête ce test là.
Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire que vous avez aimé ou à aimer. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi que vous n'avez pas aimé. Et mettez un commentaire. Si vous avez des questions sur le jeu, de toute façon, je pense que je vais pas tarder à mettre en description aussi les liens Steam des jeux, étant donné que c'est toujours des jeux Steam et que je le fais jamais en fait. Je mets jamais les liens extérieurs au niveau Steam, au niveau. Bah voilà, pour pouvoir le jeu, quoi, pour pouvoir le prendre, typiquement. Quand vous voulez savoir, mais ce jeu-là, je veux l'obtenir, comment je fais? Et bien sur Steam, ils y sont tous, pour l'instant. Le jour où un jeu qui sera pas dispo sur Steam, je vous le dirai. Mais comme il y a vraiment, vraiment beaucoup de jeux dessus, bah voilà. Donc je vous dis à plus, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine vidéo.